bien, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. On va y aller avec, aujourd'hui j'ai pris des oracles noir et blanc, enfin le Deviant Moon qui n'est pas tout à fait noir et blanc. Et puis on fera le oui-non à mon avis, bah on fera les deux, le oui-non avec un petit Lenormand et un petit coup de pendule hein, aujourd'hui. J'avais envie. Non, je viens de retrouver ce petit machin là. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, si j'oublie pas. On va y aller, les amis, avec la carte du jour, par rapport à la carte du jour, la carte de la semaine pour les énergies qui vont dominer avec le Deviant Moon Tarot. Les énergies dominent. Oh, il y en a trop. L'ermite, hiérophante, le 4 de. Le 4 de bâton et le 7 d'épée. Comme vous l'ai montré, parce que je sais pas, il est connu évidemment ce jeu, mais je vous montre les illustrations. Donc. Allez, une carte, une seule carte pour les énergies de la semaine dominante. Aïe, 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 comment tu mélanges, toi, aujourd'hui? Je pense que celle-là devrait convenir. Oui, l'as de coupe, magnifique! Bon, l'as de coupe, ben voilà, une semaine chargée en émotions. En tout cas, il y a des nouveaux sentiments, peut-être une nouvelle relation, un nouvel amour. Il y a la construction de nouveau quelque chose. Il y a la construction de quelque chose de nouveau. On tombe amoureux, on a peut-être un nouvel emploi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait super plaisir. Donc, quelque chose de neuf qui fait super plaisir. Et là, on a l'as d'épée. Du coup, on a aussi ici quelque chose qui va être décisif. On a l'as d'épée, c'est la victoire, c'est la communication, c'est la vérité aussi. Voilà, les amis. Bon, ça commence bien, pour que ça dure. Alors, on y va avec. Alors ça, c'est le tarot des abysses que j'utilise pour moi, qui est dans ma salle de bain, en général. Qui est toujours dans ma salle de bain, depuis que je l'ai. Et que je vais aller chercher exprès pour aujourd'hui. Pourquoi, j'en sais rien. Parce qu'il est noir et blanc, évidemment. Et parce que c'est de Anatorian et que j'ai ce petit Lenormand qui est de Anatorian. Je fais pas sa pub du tout, pas du tout. Je n'en ai rien demandé. Voilà. Je vous le dis comme ça, vous le savez. Allez, on y va. Les semaines. N'importe quoi. Les cartes me glissent bizarrement, je trouve. Les cartes ressortent bizarrement. Tiens, il y en a une qui est le page de coupe. Oh, les amis, on va avoir de bonnes nouvelles, au principe, de bonnes nouvelles par rapport aux sentiments, de bonnes nouvelles, quelque chose de précieux, quelque chose, on va avoir des... c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On va avoir des nouvelles d'une personne que l'on aime, on va avoir des nouvelles de gentilles, des nouvelles... par rapport à l'amour, des nouvelles par rapport à des sentiments, peut-être par rapport à une amitié aussi. Mais pour moi, ce sont des nouvelles qui vont être vraiment... Ce sont des nouvelles qui vont être... peut-être que vous n'attendez pas, mais qui vont vraiment vous faire plaisir. Allez, on coupe. On a l'impératrice... et le 4 de bâton, super, parce que le 4 de bâton, il était sorti aussi... dans les cartes qui sont tombées d'un Deviant Moon, et donc le 4 de bâton, c'est un équilibre, principalement un équilibre familial, mais quoique un 4 de bâton, c'est toujours les 4 pieds de la chaise, donc on trouve un équilibre, on va pouvoir tenir, on va vraiment pouvoir... Est-ce qu'il y a des trucs qui sont tombés là? On va pouvoir... se stabiliser, c'est une stabilité ici. C'est une stabilité familiale, amoureuse. C'est vraiment un équilibre trouvé cette semaine. Il y a quelque chose aussi qui va éclore pour moi. Donc on va éclore, il y a quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va se concrétiser.
et qui va équilibrer ou rééquilibrer, ou qui va enfin équilibrer, parce que peut-être on cherche quelque chose, ou on se cherche d'une manière ou d'une autre, et on est vraiment dans quelque chose qui nous arrive. Alors, par exemple, on veut tomber enceinte, on n'y arrive pas, ça fait un petit peu, voilà, un petit malaise, un petit mal-être, et là, voilà, par exemple, ça va se concrétiser. C'est plutôt, enfin moi, c'est pas suffisamment une grossesse, mais c'est quelque chose comme ça. Donc quelque chose pour moi qui va se concrétiser, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui que vous avez vraiment envie, peut-être depuis un moment d'ailleurs, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais dit. Vraiment, pour moi, il y a vraiment ou une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas ou vous ne vous attendiez plus, qui va arriver et qui va vraiment vous permettre de rester stable. Vraiment. Peut-être vous avez prévu quelque chose, donc ça va se concrétiser. Allez. On y va. Poule de bon, poule de bon. Alors. Page de Pentacles. Page de Pentacles, tempérance. Dix de coupe. Magnifique, les amis, magnifique. Alors, ici, on a, encore une fois, on reçoit des bonnes nouvelles. On reçoit des nouvelles qui nous font chaud au cœur. On reçoit des nouvelles... Mais pas me salir, toi, hein. On reçoit des nouvelles non, Oscar. Non, Oscar, il sait qu'il y a le truc pour manger. Et on a, oui, donc on est vraiment ici dans des énergies de sérénité, de finalité. Le 10 de coupe, c'est vraiment la finalité. Voilà, ici, on trouve le bonheur principalement par rapport en relation avec les émotions, avec les sentiments, avec l'amour. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise et qui se stabilise. Mais c'est vraiment une sérénité qui se stabilise au sein du foyer. Pour moi, c'est vraiment au sein du foyer. Ou alors, ça concrétise la stabilité du foyer. Mais... il y a vraiment un équilibre, un ancrage ici qui se fait. Il y a de bonnes nouvelles aussi qui arrivent. Donc, on est vraiment sur de bonnes énergies par rapport à tout ce qui est stabilité émotionnelle. Un équilibre émotionnel, tout simplement. On trouve une stabilité. Et voilà. Alors. Oh, le 5 de pentacle, le 5 de bâton, d'épée, et la reine de pentacle. Alors, les amis, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a, suite certainement à conflit, il y a certains d'entre vous, certains parmi vous, ont perdu quelqu'un ou quelque chose suite à un conflit. Et ça... alors, ça peut être, on a perdu une personne, on s'est disputé, on ne se parle plus, on a dû faire quelque chose, qui n'a pas plu, parce qu'on on y était obligé d'une manière ou d'une autre, on était obligé d'agir comme ça. On a gagné ce que l'on voulait, on a gagné ce que l'on voulait, mais... il y a eu la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être aussi de l'argent. Hein. Mais... et là, il y a comme s'il y avait une forme de regret. Il y a une forme de regret. Donc... j'ai ici... peut-être que par rapport à du... ça pourrait être par rapport à du travail, par rapport à l'achat, la vente de quelque chose. Peut-être que... je pense qu'il y a... alors, on obtient... on a ce que l'on désire
par rapport aux finances, mais peut-être qu'il faudra ou que vous avez dû passer par des épreuves un peu difficiles. Peut-être. Regardez ma bougie parce qu'elle est un petit peu fondue. Donc, on y arrive, on y arrive. On a ce que l'on désire, on va avoir ce que l'on désire. Ou vous êtes dans dans une situation où vous êtes bien. Encore une fois, où vous êtes stable. Mais c'est comme si il y avait, vous avez dû écraser quelqu'un, écraser quelque chose, faire des concessions qui ont fait peut-être un peu de peine à quelqu'un. Et du coup, vous vous culpabilisez quand même. Pourtant, c'est ce que vous vouliez. Ou c'est quelque chose que vous allez faire. Et là, on vous dit, attention, tu vas faire des choix. Tu le sais. Tu vas faire des choix parce que tu en as besoin. Tu as besoin de faire certains choix. Mais réfléchis parce que il y a un prix à payer pour ça. Mais en même temps, tu auras ce que tu désires. Voilà. Alors, on doit se réveiller. Ok, ici, on a vraiment on va sortir de son état d'attente. Si vous êtes en attente, dans l'attente de quelque chose, ou que vous n'osez pas bouger, eh bien ici, il y a, vous attendez que quelque chose se termine. Il y a quelque chose que vous attendez depuis peut-être un moment, qui se termine, et qui va vous permettre, pour moi, c'est plutôt l'aspect une décision financière peut-être. Donc, on était dans l'attente de quelque chose. Cette attente s'est terminée, cette attente se termine, et vous allez pouvoir enfin ne commencer à être beaucoup plus libre, libre peut-être de dépenser votre argent, ou libre de faire ce que vous voulez, et c'est surtout par rapport à l'aspect financier ici. Ici, il y a quelque chose qui bouge par rapport à votre situation financière certainement. Ou alors par rapport, vous allez pouvoir vous libérer de certaines pensées qui vous... Libération de certaines pensées qui va vous permettre de moins devoir faire attention à certaines choses. C'est très général, donc je ne sais pas vraiment dire pour vous ce sera ça, pour vous ce sera ça. Oui, ça peut être. Voilà. Donc peut-être qu'on va dire ainsi, il y a quelque chose qui va se passer, qui va se terminer et qui va vous permettre de ne plus faire trop attention à votre argent. Par exemple, d'accord? C'est un exemple. Ici, si je parle de l'argent, ça peut être par rapport à autre chose. Donc, vous allez pouvoir enfin un peu mieux respirer. Alors, ici, bon, attention, bon, si quelqu'un du passé revient vers vous, faites quand même attention, les amis. Une personne du passé ou quelqu'un, pas du passé, oui, du passé, ou alors quelqu'un qui vous semble, qui vous attire, une personne qui vous attire. Faites attention, car j'ai le diable à côté. Donc, il est possible que cette personne ne soit pas comme vous voudriez qu'elle soit. Il est possible que cette personne ne soit pas... qu'il y ait des choses cachées là. Il y a des choses cachées où cette personne a des gros défauts. Cette personne peut-être a de très très gros défauts. Donc faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Soyez quand même sur vos gardes. Parce que la reine d'épée ici, elle nous parle, la reine de bâton, elle nous parle aussi de passion, etc. Donc vous pourriez ici vraiment vous emballer pour une personne qui n'est pas comme vous pensez. Donc ça, à vous de faire attention. Ok.
Eh bien, c'est parfait. Vous allez recevoir ou vous allez pouvoir donner ce que vous désirez à la personne que vous désirez. Vous allez pouvoir recevoir. Vous allez pouvoir accepter. Il y a un certain retard ici, mais vous allez pouvoir accepter et pour accepter de recevoir, vous allez pouvoir enfin accepter de donner. Vous allez peut-être changer d'avis. Oui, je vais donner. Oui, je vais recevoir. Ce sera plus tard que prévu, ou ça arrive maintenant plus tard que prévu, mais ça arrive. Vous devez vraiment. Alors, ici, on vous demande de. Pour certains, vous allez me dire, il est trop tard. Il est trop tard, c'était avant. Pourtant, sincèrement, ne vous focalisez pas sur le passé. Vraiment, ce n'est pas trop tard. C'est vous qui avez vous allez pouvoir, ou vous pouvez, si vous voulez, si vous acceptez que l'on vous aide ou si vous acceptez d'aider, vous allez pouvoir enfin avancer et vous allez pouvoir arriver à ce que vous désirez, surtout aussi, encore une fois, financièrement. C'est une abondance. On est ici dans l'abondance, sûrement, surtout financière, mais on arrive au bout, peut-être au bout des peines et de cette instabilité financière. Mais il y a des choix à faire, hein. Il y a des choix à faire. Il faut vraiment arrêter de penser à quelque chose. Vous êtes en train de penser et vous êtes en train de ne pas pouvoir avancer à cause que vous ne tournez pas une page. Il faut vraiment que vous puissiez tourner une page pour avancer, pour certains. Ok? Si vous ne tournez pas cette page, ça va bloquer. Si vous arrivez à tourner cette page, à accepter peut-être que l'on vous donne, ou accepter de recevoir, peu importe quoi, vous allez pouvoir enfin arriver à ce que vous voulez. Ne sais pas si vous voyez bien l'image. On a ici une famille. On a deux mains qui se tiennent. Et on a un escalier, on a l'arbre, on a la maison. Mais il y a encore quelques trucs à franchir pour arriver à la maison. Donc on est vraiment. On arrive au bout. On arrive au bout. On arrive au bout. On va vraiment vers l'abondance, principalement financière ici, mais pas que. Mais c'est plus lent que prévu ou c'est un peu bloqué parce que vous n'arrivez pas à tourner une page de quelque chose qui s'est passé, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Donc, vous vous libérez ici. Vous vous libérez d'une emprise. Vous allez enfin pouvoir vous libérer d'une emprise qui vous. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui vous empêche ou qui vous empêche d'avancer. Vous allez pouvoir vous libérer de ça. Ici, on est vraiment dans une notion, pour certaines choses, dans une notion de lenteur. Mais vous êtes en train d'y arriver. Vous êtes en train d'arriver à pouvoir vous libérer de cette emprise psychologique que vous vous faites peut-être vous-même, hein, tout en pleurant ici sur votre sort. Mais vous allez pouvoir vous libérer
vous êtes dans la décision, c'est fini. Vous allez pouvoir prendre une décision. Il y a une décision que vous allez pouvoir prendre ici. Oui, vous allez prendre une décision. Enfin. Vous étiez bloqué par rapport à une décision. Alors, peut-être c'est vous qui allez prendre une décision, ou c'est quelqu'un d'autre. Mais cette décision va être prise, enfin. Et vous allez pouvoir avancer. Psychologiquement, ici aussi. Psychologiquement. On se délivre de on se libère de cette emprise psychologique que peut-être on s'est mis soi-même, qui nous empêchait d'avancer et qui nous empêchait de faire des choix. Aujourd'hui, on va pouvoir faire nos choix. Alors, on a le 2 de pentacle. Donc ici, on est vraiment, on est peut-être encore dans les hésitations, dans les recherches. On est dans les... On ne sait pas trop sur quel pied danser. Hein. Mais, super, il est super beau ce jeu, regardez. On voit ici un personnage, et puis en même temps, on croit que c'est lui qui tient les deux pentacles. Et pourtant, il y a une dame derrière là. C'est son deuxième moi qui tient l'autre. Donc il y a vraiment une hésitation. Donc il faut vraiment se libérer de soi. Vous devez vous libérer de vous pour pouvoir faire des choix. Peut-être que vous êtes sous l'emprise d'une personne. Vous devez vous libérer d'une personne qui a trop d'emprise sur vous. Une personne qui a trop d'emprise sur vous. Vous devez vous libérer de cette personne qui a trop d'emprise sur vous. Pour pouvoir arriver à vous délivrer psychologiquement. Vous êtes, pour certains, tellement mal parce que peut-être on vous a fait du mal, peut-être avant. On vous a blessé. Peut-être que vous avez fait des mauvais choix. J'ai envie de vous dire, méfiez-vous quand même d'une personne. Ou alors il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui se permet de vous donner des conseils, de se prendre un peu pour votre père ou pour votre mère. Et peut-être que vous l'avez toujours écouté, cette personne, vous en avez toujours eu peur. Ici, c'est la fin. C'est fini. Cette personne n'aura plus d'emprise sur vous. Cette personne n'aura plus de... Vous allez oser ne pas écouter ce que cette personne vous dit. Alors, ça peut être un parent, mais ça peut être aussi un enfant. Ça peut être... C'est quelqu'un... Ou un ami, une amie, un mari, une femme. Donc là... On est vraiment en train de se libérer de ce que cette personne, ça peut même être une personne décédée, hein, pour certains. Vous ne voulez pas faire ceci, cela, parce que de son vivant, cette personne, vous l'aurez empêché. Cette personne, vous en aurez voulu. Ben, c'est pas grave, faites-le, parce que on a la reine de épée. En dos de deck. Donc ici, on vous dit que vous allez gagner. La reine d'épée, on gagne. Vous allez prendre il y a des décisions qui vont être prises. Ça va être rapide, du coup. Il y a vraiment cette notion de lenteur et puis de rapidité qui arrive. On arrive au bout de tout ce que l'on attendait. Et vous allez... Il faut prendre une décision. Il y a une décision qui va se prendre. Peut-être toute seule, finalement. À voir le contexte. Mais quoi qu'il en soit, vous gagnez ici. La reine d'épée, elle gagne. Voilà. Et c'est une notion de rapidité aussi. On a la rapidité avec la reine d'épée. Voilà, les amis. On a la papesse.
pendu sur un. Bizarre le pendu. Voilà. Bon, on est vraiment ici dans des énergies de finalité et de tout ce qui avait du retard est en train d'enfin arriver et d'enfin devenir. Les choses se concrétisent et en positif. Voilà. Ok. Alors, l'amour. Avec. Allez, je prends la Naturiane puisque c'est la même personne qui a créé celui-ci et celui-là. Tarot des Abysses, il est maintenant sur Amazon. Donc, moi je l'ai acheté ailleurs que sur Amazon et je l'ai payé beaucoup plus cher. Bon. Allez, petit Lenormand, pour l'amour, les amis. Ouh, on a l'étoile, mon Dieu, ouais. Donc, on a vraiment ici des énergies de protection, des énergies de réussite, des énergies de succès. Allez, on y va pour la coupe. Ah, bon. Nous avons le monsieur et la croix. Alors là, moi, j'ai envie de dire, on a un monsieur qui est triste. C'est comme ça que je dois vous le montrer, si vous préférez. Voilà, on a un monsieur qui est triste. Votre monsieur, vous monsieur, il y a de la tristesse. C'est un tirage général. Donc, il est possible que ce soit une madame. Une madame qui est triste. Ok ? Voilà, il y a quelqu'un qui est triste. C'est vous, ou votre compagne, compagnon, ou la personne de votre cœur. Si vous n'avez pas personne dans votre cœur, alors on va dire c'est la personne la plus proche, la personne. J'ai un hôpital psychiatrique ici qui ressort. La personne qui est chère à votre cœur. Bon, j'ai la psychiatrie moi ici qui sort carrément. J'ai l'hôpital psychiatrique, j'ai le psychiatre, psychologue, psychanalyste. Établissement de santé mentale. Bon, à voir. Peut-être que c'est un message pour vous dire attention, il, elle a besoin peut-être que on s'occupe de sa santé mentale. Si vous voyez que cette personne est bizarre, ben peut-être que faites attention. J'ai envie de dire, faites attention aussi aux agissements peut-être de quelqu'un. J'ai encore la lune et le soleil. Aux agissements de quelqu'un, j'entends ici une personne pourrait se venger. Faites attention à votre entourage, une personne qui pourrait essayer de vous faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un. Et si c'est vous, il y a une certaine rage ici. Je sens une certaine rage. Une personne qui en rage vraiment. Mais elle va être bloquée, ça va, elle ne pourra pas arriver à ce qu'elle veut. Bon, allez, on y va, cette fois-ci. Pour les énergies générales. Le vaisseau, l'anneau, le lys, le cavalier et les nuages. Alors là, les amis, il est évident qu'il y a... Alors, on a un mariage, on a la concrétisation d'une union, de toute façon. On a la concrétisation d'une union, mais on pourrait faire une rencontre lors d'un déplacement. Alors, faire une rencontre, certainement, ou avoir des nouvelles d'une personne du passé. Une autre personne, vous pourriez avoir des nouvelles d'une autre personne, on pourrait vous donner des nouvelles. Vous pourriez avoir des nouvelles aussi d'une personne qui est... dans un autre pays, qui habite loin de vous, mais c'est quelqu'un, alors c'est peut-être un ex aussi, un ex
qui va vous donner un signe de vie, où vous allez revoir une personne du passé, parce que déplacement il va y avoir, pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est... il y a une perturbation dans l'air ici, suite certainement à la connaissance de certains faits concernant une personne, ou à la rencontre d'une personne. Ou vous allez retourner quelque part, aller quelque part, qui va vous faire penser au passé. Ou vous allez apprendre quelque chose par rapport à quelqu'un, mais ça concerne un peu le passé. Voilà, on va rester là. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit un mariage, on voit une personne qui a le pouvoir de lier. Alors ça pourrait parler aussi d'un amour à distance. Un amour à distance. On est quand même un peu dans le brouillard quand même. On ne sait pas très bien ce qui va arriver. Mais c'est vrai que ça parle aussi d'un amour à distance. Alors, un amour à distance, ça pourrait, alors je ne dis pas que c'est ça, mais ça pourrait aussi être quelqu'un qui est bloqué, et qu'on ne sait pas voir, parce que, par exemple, j'invente, il est en prison ou elle est en prison, et donc on ne sait pas la voir, mais c'est un amour à distance, parce que, obligatoirement, on ne sait pas, on ne sait pas se voir, ou alors, il est possible aussi qu'une personne du passé viennent un petit peu foutre le trouble dans votre couple. Pour les célibataires, le jardin, les souris, le renard, le trèfle et l'arbre. Bon, alors là, encore une fois, les célibataires, faites attention à votre entourage, s'il vous plaît. Vous avez vraiment ici des personnes qui sont dans votre entourage. Peu importe, l'entourage ici, ce sera les personnes que vous connaissez de près ou de loin, mais des personnes que vous connaissez. Il y a des personnes ici qui sont en train de vous pourrir la vie, et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, parce que ces personnes, elles sont rusées, tout simplement. Et donc, et donc, ici, vous allez... vous devez vous méfier de votre entourage. Mais avec les cartes quand même, la carte du jardin, c'est quand même aussi le succès. On a le trèfle, on a l'arbre. Mais écoutez, on est ici vraiment, vous entrez dans une phase de grande chance, de stabilité, de famille. Voilà, donc ici, on est vraiment... je pense que vous devez faire attention à votre entourage, mais vraiment ici, hein, c'est... tout le monde doit faire attention à son entourage tout le temps, mais ici, vraiment, il y a une ou des personnes qui sont négatives, qui sont nocives pour vous, et qui essaient de vous bloquer dans votre évolution sentimentale, amoureuse, amicale. Il y a quelqu'un qui essaie de vous bloquer, mais ça va se débloquer, hein. On est vraiment ici dans ce déblocage. Peut-être que vous allez faire prendre conscience de qui c'est, que ces personnes-là, finalement, elles font ça, mais finalement, c'est à votre détriment. Et là, vous allez vous en rendre compte, ou pas, mais en tout cas, il y a un facteur chance ici qui est en train d'arriver, et qui va vous permettre de vous construire. Et ce sera quelque chose de très, très, très solide. On va vers une construction solide par rapport à une famille. Attendez, je vais juste faire... pourvu que ça tienne, hein. Parce que si ça ne tient pas, nous aurons le feu en direct, en live. Vous criez assez, vous voyez qu'elle tombe. Que si je suis bloquée ici dans cette pièce, je ne sais plus sortir, hein. Je suis au deuxième étage.
Bon, allez, on y croit. On croit qu'elle va aller. Alors, donc, voilà, les célibataires, il y a quelque chose qui peut être très constructif pour vous et qui va pouvoir se développer et on va pouvoir créer une famille. Alors, pour les triangulaires, on a le cœur, la tour, la faux, le livre et l'étoile. Alors, il est possible, qu'il y ait ici une petite intervention ou une grosse intervention chirurgicale qui doivent se faire par rapport à votre situation amoureuse. Donc, peut-être que l'un ou l'autre va avoir une petite opération, une petite blessure aussi. Alors, il est possible aussi qu'on... Oui, ça me parle vraiment... Tu peux me parler de ça. J'ai ici aussi une prise de décision. On va prendre une décision parce que l'amour est le plus fort. Alors, l'amour est le plus fort. Pour certains, vous êtes en triangulaire, vous êtes la dame, vous êtes, disons, vous êtes la dame et vous êtes avec un monsieur marié, par exemple. C'est peut-être l'inverse, hein. Et il y a une décision qui va être prise, il y a un secret qui va être révélé, il y a quelque chose qui va être dit, qui va être avoué, mais c'est bon pour vous. De toute façon, c'est bon pour vous parce qu'on a ici l'étoile et l'étoile, c'est la protection, la sérénité, la victoire, voilà. Alors, j'ai quand même envie de vous dire que, quoi qu'il arrive dans cette décision qui va être prise, je ne parle plus d'opération ici, je l'ai dit, voilà, mais il y a une décision qui va être prise, quelque chose qui va enfin pouvoir être mis à jour, qui devrait en principe, en tout cas, vous porter bonheur. En tout cas, c'est vous porter chance. Mais peut-être que pour vous qui êtes en triangulaire, il vaut mieux. Je n'ai pas dit que c'était fini ou quoi que ce soit, mais il y a une décision qui va être prise, quelque chose de secret. Oui, il y a peut-être la décision par rapport à ce secret ou par rapport à cette révélation qu'on va vous faire, que vous allez faire. Vous allez décider de rompre, mais ce ne sera que bon pour vous. Quoi qu'il en soit, on a du positif pour vous par rapport à une décision qui va être prise. Alors, je vois ici un hôpital aussi, je vois un hôpital, je vois aussi un lieu où on prend des décisions administratives, par exemple, un endroit, je vois ici un endroit Je vois aussi un endroit, ça peut me parler d'une école, ça peut me parler d'un lycée, ça peut me parler d'une université, ça me parlera d'un endroit où peut-être on étudie, mais il y a quelque chose qui se termine avec ça. On prend une décision, il y a une décision qui se prend. Et ça concerne l'amour, hein. Ça pourrait concerner le cœur physique, mais bon, ça concerne l'amour. Et c'est positif. Même si la décision qui va être prise pourrait être peut-être éventuellement cruelle pour vous. Ou si c'est vous qui prenez la décision, oui, ça va peut-être être cruel pour vous, mais ça va peut-être être cruel pour l'autre. Plus que pour vous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, on va vers du meilleur. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait une révélation. On dit, voilà, moi, je suis amoureuse ou amoureux d'une personne. Et je suis désolée, mais je te quitte parce que je suis amoureux de cette personne. Ou alors, écoute, je suis toujours amoureux de ma femme, donc on va rompre. Vous allez apprendre quelque chose qui va faire que vous allez vouloir rompre. L'autre pourrait apprendre quelque chose qui va vouloir rompre. Mais ce n'est que du positif pour vous, sachez-le. Ce n'est que du positif pour vous. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu veux descendre? Alors, pour le général, pour les couples, la lettre, la verge, les poissons, le serpent et les oiseaux. Alors, je ne sais pas ici, j'ai comme un maître chanteur, j'ai une personne qui menace, une personne qui menace, comme un maître chanteur, comme un corbeau, mais des révélations.
Peut-être qu'on va vous allez pouvoir. Oh. Peut-être que vous allez avoir des révélations par rapport à quelque chose d'écrit. Peut-être que vous allez voir un SMS. Vous allez voir un mail qui va. Où vous allez prendre la décision de dire certaines choses. J'ai ici une communication écrite, une communication orale, concernant quelque chose certainement pas très catholique, qu'on dit, hein. Quelque chose qui n'est pas. Alors, je n'ai pas dit que c'était vrai non plus, hein. Mais en tout cas, c'est comme si quelqu'un allait vous dire, tiens, tu sais, ton mari, je l'ai vu là-bas avec une autre femme. Possible que ce ne soit pas vrai, hein, d'accord? Possible que ce ne soit pas vrai. Donc, soyez quand même vigilants et ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Mais, ça, c'est votre choix. Peut-être ne fermez pas non plus les yeux directement. Mais sinon, sinon, nous avons quand même ici un risque de tromperie, un risque. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un près de vous qui est en train d'essayer de. De s'immiscer dans vos vies, dans votre vie ou dans la vie de votre compagne ou compagnon, de votre partenaire. Donc ici, on est peut-être sur ces énergies-là où vous devez être vraiment vigilant. Vous devez vous protéger. J'ai ici aussi une forme de chantage. Si tu ne me donnes pas un peu d'argent, je dis des choses. Je révèle certaines choses que je sais. Ça peut être ça aussi. Bon. Ça peut être ça aussi. Il est évident que ce n'est pas pour tous les couples, hein. Ça, voilà. Par contre, le dos de deck, j'ai vu, c'était le soleil. Donc, on a juste. Le soleil, c'est l'abondance totale et générale. Donc, on est quand même dans des énergies de positivité, de chaleur, de joie. On ne manque plus de rien. On est bien. Et voilà. Donc, finalement, toutes ces énergies-là, ben, tout est bien qui finit bien. On va dire ça comme ça. Voilà. On est vraiment en train de. Que les choses sont en train de s'arranger. Voilà. Peu importe pour qui, mais les choses sont en train de s'arranger. Voilà, les amis. Je vais juste poser une carte. Oui, j'ai l'encre, donc c'était la carte qui précédait celle-ci. Donc on a une stabilité, entre autres. J'ai une stabilité financière, mais j'ai aussi une personne qui vous protège. Une personne vraiment qui vous protège. Je voulais recouvrir la. On a le serpent recouvert par le chemin et la verge par l'enfant. Alors oui, il est possible qu'il y ait des conflits par rapport à des enfants. Les tiens, les miens, les nôtres. Et voilà, il y a peut-être des conflits par rapport à ça. Ou des conflits. Alors attention, il y a des choix aussi qui pourraient être faits parce qu'il y a une nouvelle occasion qui se présente. Mais faites quand même attention si vous êtes en couple d'une tierce personne qui est en train d'arriver là tout doucement, sournoisement, parce que cette personne est déterminée, hein, et elle va peut-être imposer des choix. Cette personne pourrait imposer des choix.
On a monsieur, je reviens. Et on a madame. Ok, je voulais juste voir s'il se regardait. Ok, ok. Oui, c'est bah oui, il se regarde. C'est parfait. Donc, on est dans ces énergies-là de... faites attention. Voilà. Mais on a quand même une protection et on a quand même un couple solide. D'accord? Dans l'ensemble. Voilà. Bon. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Je ne sais jamais si j'ai été très claire. Parce que comme j'ai l'habitude de toujours... de ne pas retenir mes tirages, eh bien, je ne sais pas si ce que j'ai dit est clair. Je suis tellement conditionnée pour, pas être, pour ne pas retenir mes tirages. Parce que sinon, j'en aurais... plein la tête. Oh là là. Allez, on fait le oui. Le oui, non. Pose une question. Question fermée. Qui demande donc un oui ou un non comme réponse. Et si la croix tombe, c'est non. Si l'anneau tombe, c'est oui. On prend ça au 50e degré. J'ai un établissement où on parle beaucoup. Allez, hop, le soleil et le lys. On y va les amis pour notre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non, 13. C'est ni oui ni non si j'ai bien vu. Allez, on y va. La croix. Et la clé. On a la clé. Je regarde quand même si je n'ai pas loupé la croix. Non, elle est là. Donc, on a le oui. Et le non est là. Prenez ce qui vous arrange. Normalement, c'est le oui. Mais c'est un tirage général. Il ne va pas parler à tout le monde. Donc, si le non, vous préférez le non, vous le prenez. Il est là aussi. Voilà. Alors, on va vite faire, du coup, puisque je l'ai dit, on va le faire. Petit pendule. Donc, vous pouvez aussi poser une question. Là, toujours qui demande un oui ou un non. Hein. Ok. Alors, on y va. Posez votre question. Qui demande un oui ou un non. Allons-y. C'est oui, les amis. Voilà, c'est oui. Ça tourne sur le oui. Je crois que ça allait aller sur que ce n'était pas assez clair. Donc. Non, voilà, c'est oui. Parfait. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Gros bisous. N'oubliez pas, soyez positifs.